Il y a un monsieur Michel Gauquelin qui termine brillamment ses études en maths et notamment il prend une spécialisation en statistique. Et il se dit, parce qu'il a vu des émissions de télé qui l'ont, intrigué, il se dit, bon moi ça va être très facile, avec les statistiques on va casser l'astrologie une fois pour toutes. Malheureusement, et tu vas voir que c'est double ce malheur, eh bien il fait les analyses de plusieurs centaines de milliers de thèmes et il s'aperçoit que les gens martiens sont plus souvent policiers, militaires, sportifs que la plupart. Il s'aperçoit que les saturniens sont plus souvent, dominateurs que la plupart du reste. Et voilà, il cherche à aller au sommet, etc. Il s'aperçoit non seulement que telle planète semble avoir une réalité dans ce que décrit l'astrologie, mais également les signes. Et la bonne preuve définitive dans ce qui le concerne, c'est qu'il était marqué par le signe du scorpion et il s'est suicidé, le pauvre. Tout ça parce qu'il était la risée de tout le monde l'attaquait alors qu'il avait raison.